Antoine Renaud, je suis peintre et ce que j'aime, c'est peindre des moments de plénitude au bord de l'océan. Noirmoutier, c'est là où j'ai commencé à peindre. Cette île, c'est là où je me sens le mieux, c'est là où je respire mieux. Chaque année, quand je reviens ici, je retrouve les mêmes sensations. C'est des sensations physiques dès que j'ai les pieds dans le sable. Et puis c'est les atmosphères, des parfums, les ambiances, les lumières. Et surtout, je vis un rythme complètement différent qui est dicté par les marées et par les lumières. En fait, je crois que j'ai l'impression de vivre hors du temps. C'est un rythme à part. C'est comme une bulle, cette île. Je passe toujours sur la dune pour anticiper le vent et observer la mer, en espérant une bonne journée de navigation. Il y a eu un été où il n'y avait vraiment pas de vent, et c'est là que ma grand-mère m'a mis les pinceaux en main, m'a donné une toile, et j'ai commencé à peindre. Ma grand-mère, c'était une forte personnalité, un esprit ouvert, très observatrice. Elle était heureuse en mer et derrière son chevalet. J'ai eu envie de la peindre telle que je la retrouvais chaque jour, c'est-à-dire adossée à la porte de sa chambre. J'ai commencé par le visage, j'avais vraiment l'impression d'être en conversation avec elle. C'était un moment assez particulier, très touchant. Apprendre la peinture aux côtés de ma grand-mère, ça m'a offert des moments privilégiés. C'est une personne qui m'a beaucoup marqué. Et je sais qu'elle est aujourd'hui toujours derrière toutes mes touches de couleur. Quand je suis sur l'île, ma destination favorite, c'est le bois de la Chaise. C'est un endroit magnifique. J'adore marcher, traverser les plages, puis le bois et atteindre l'Estacade. En fait, c'est mon terrain de jeu depuis l'enfance. Je connais tous les rochers par cœur, toutes les racines de chênes verts. J'ai passé des heures à photographier cet endroit, à observer les lumières, les reflets. Et c'est à partir de ces photos que j'ai commencé à me constituer un stock d'images et d'inspiration. Elles influencent ma manière d'aborder une toile, le cadrage, la composition, et elles ont complètement nourri mes premières années de peinture. Il y a deux perspectives qui jouent dans ma manière de regarder les bleus, la lumière, la mer. C'est d'une part le recul sur l'océan depuis la dune, et d'autre part le regard sur la surface depuis la mer. Naviguer en solitaire, c'est quelque chose de magique. Ça me procure une sensation de liberté extraordinaire. C'est un vrai moment de plénitude et en même temps, c'est un moment privilégié pour observer. Je me suis passionné petit à petit pour ce mélange de transparence et de réflexion qui est la surface. En partant vers des eaux plus transparentes, j'ai découvert des lumières très différentes. Et je me suis rendu compte que les prises de vue sous-marines m'apportaient une palette de lumières et de couleurs vraiment incroyables, très inspirantes. En fait, j'adore faire de la lumière avec de la matière. Ça me fascine. La lumière transforme tout, elle déforme tout, et en même temps, elle crée une complexité graphique fabuleuse. Je cherche à reproduire ça. Je travaille exclusivement avec les mêmes quatre couleurs, et avec le blanc bien sûr, qui fait éclater la lumière, un rouge, un ocre, un jaune, et j'utilise le bleu phtalo, ma couleur fétiche. Avec ce bleu-là, je peux aller des ombres les plus sombres, presque noires, jusqu'aux transparences les plus claires. C'est la couleur qui est dans toutes mes toiles. Je commence toujours mon travail par la mise en place de la lumière. Je dessine les ombres les plus fortes, et je préserve les zones où je veux que la lumière claque. Je travaille aujourd'hui à l'acrylique, la rapidité de séchage apporte beaucoup de spontanéité, c'est quelque chose qui me convient très bien.
Ça permet de revenir sur la toile à n'importe quel moment, dès que l'envie de peindre est là. J'aime beaucoup faire des expositions pour assister aux réactions des gens, c'est génial. Dans mes expos, j'ai remarqué souvent que les gens qui observent ma peinture, avec du recul, sont d'abord frappés par le côté ultra-réaliste de l'image, et puis ils s'approchent pour regarder de plus près, et là, ils découvrent tout ce chemin aléatoire qui m'a amené à la création, et qui leur laisse plus de place pour l'imagination. En fait, je crois que j'aborde chaque toile comme une navigation. J'aime bien avoir une idée assez précise de l'endroit où je veux aller, mais j'ignore complètement par où je vais passer. J'aime beaucoup cette incertitude qu'il y a dans le processus créatif, et c'est cette route pleine d'imprévus qui m'intéresse.